Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Titanfall pour les 4 jours dans le top Titanfall. Premier événement du mois d'août, enfin, quatrième événement de l'été 2016. Pour fêter les 2016, donc voilà, retour sur Titanfall. Jeu quand même mythique au début de la One. Beaucoup critiqué mais beaucoup de bons points, voilà. On va aller en mode attrition, donc c'est là où il y a le plus de monde. Titanfall, quoi. Mais avant de parler du jeu, je voudrais quand même vous remercier, parce que là, je sais pas, c'est... Je pense que quand elle sera upload la vidéo, on sera à 500, là, on doit être à 498. Ben voilà, je voudrais vous remercier, 500 abonnés, c'est énorme. Donc oui, il y a une vidéo spéciale abonné qui va arriver, je sais pas encore trop quoi faire, mais ça va arriver. La FAQ, je la garde pour les 1000 abonnés, de toute façon, voilà. Donc je ferai autre chose. Mais voilà, donc franchement, un grand merci à vous, les amis. Alors aujourd'hui, bah, comme je vous ai dit, on est sur Titanfall, en attrition, apparemment sur la base aérienne. En joueur milice, donc c'est une partie qui a déjà commencé. On va prendre celui-là. Donc, voilà, Titanfall, comme je vous ai dit, c'est un jeu mythique de la Xbox One, du PC aussi, mais surtout de Xbox One à sa sortie, parce que c'est sorti l'année de la sortie de la One, au cours de l'année. Donc voilà quoi, c'est une demi-excuse, parce que maintenant Titanfall 2 va sortir sur toutes les plateformes, à toutes les nouvelles quoi. Donc voilà, bah justement je vais vous parler si Titanfall 2 je vais le prendre ou quoi. Vous en doutez que forcément oui, mais pas tout de suite, parce que je crois qu'il sort une semaine d'écart, il sera une semaine d'écart, comment ça s'appelle, de BF1. Donc voilà, moi faut me laisser le temps de jouer quand même. Donc voilà. Franchement non, Titanfall 2, je pense que voilà, ils vont réparer leurs erreurs qu'ils ont fait dans Titanfall 1. Déjà il y a assez. Déjà c'est juste ça m'attire. Avant je m'en foutais des feuilles, mais quand on voit le sujet, allez, un solo, ça fait bien. Ah! Et merde. Là, je meurs. Mais voilà. Donc, ouais, ça ferait bien plaisir. Donc, de toute façon, je vais faire une vidéo. Comme j'avais fait pour. Comment il s'appelle le jeu? Call of Duty VSBV1. Ben, j'avais fait voilà une vidéo de ce style-là. Je vais faire la même chose. Mais avec Titanfall et Call of. Voilà, où je vais dire pourquoi Call of voudrait être une... Voilà. Mais là, franchement, non, j'ai dit Titanfall 2, ça vaut vraiment le coup. Hein, pour ceux qui, pour les joueurs de PS4 qui n'ont pas connu Titanfall 1, ils vont enfin connaître, voilà. Moi, je dis Titanfall, ça révolutionne les FPS futuristes, hein. C'est comme ça, après que Call of a commencé à faire pareil. Moi je trouve ça vraiment très très bien fait en Titanfall map. Même si j'ai moins joué qu'un Battle King ou un Call of Duty, tout simplement c'est parce qu'il a été vite délaissé. Ça je trouve ça malheureux. Je le trouve vraiment extrêmement bien fait. Pour un jeu qui est que multijoueur de base, moi je trouve vraiment, même s'il manque des armes ou quoi, ben, moi je trouve qu'il y a le strict nécessaire. C'est pas comme Call of Duty ou Battle King, on aura l'exploitation du jeu. Là, on a le nécessaire, le strictement nécessaire. On a un fusil d'assaut, je crois qu'on en a même deux. On a une mitraillette, on a deux snipes, un semi-auto et un snipe. Voilà. Moi, pour moi, et un fusil à pompe. Beaucoup, pour avoir pas besoin de fusil, pour avoir trois fusils à pompe. Le but du jeu, c'est du titan. Voilà, le titan, on aime bien, on aime pas, mais voilà. Il y a des modes avec. Après je peux pas vous revisiter le jeu quand même, mais voilà, en quelque sorte, pourquoi les gens ils vont délaisser, hein. On a pas de campagne,
Après, c'est vrai qu'ils ont ajouté des modes, un peu trop tard. Les DLC, c'est vrai que ça coûtait cher, maintenant j'ai dû j'en ai mis. Ah! À moitié prix, j'en ai payé un en entier. Et j'ai eu une dernière gratuite, du coup je vais en faire tous les autres. Ah non, après c'est ça. J'espère qu'ils vont faire pareil pour le 2. Dans tous les cas, moi le 2, j'ai aussi exploré à la sortie, je crois que c'est pas ça. Mais je pense que c'est un peu plus tard, ouais. Le début de l'année 2017, parce que ouais, là, donc je vais être un peu pas. Et j'ai aussi vu la petite BF1 et BF1 de stress que c'est plus dur que tout ça. Non, ouais. Donc, entre la sortie de BF1 et ils vont gagner. Ils vont gagner, les amis. Bon, je suis arrivé aussi en cours, hein, voilà. Bah, ils ont gagné. Alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, le jeu il a été très très vite délaissé. C'est malheureux, hein. Mais il y a quand même toujours des bonnes personnes qui se retrouvent dedans. Et vu qu'il a été délaissé, bah, le 2 il est très critiqué. Forcément. Il est très critiqué le 2. Alors que, bon, on verra. De toute façon, je me suis inscrit pour avoir la bêta. Bah, je me suis inscrit. Ouais, il fallait s'inscrire, ouais. Enfin, je crois. Ouais, je crois. Je crois que je l'ai fait. Ouais, je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'essaierai d'avoir accès à la B. Départ, départ, départ. Oula, j'ai pas vu. J'espère en tout cas que le 2 ça sera toujours du même style, assez cool, assez sympa. Voilà. Si on a toujours ça, je pense que on pourrait. Ça, voilà. Moi, franchement, en tout cas, Titanfall, je préfère prendre Titanfall que Call of Duty, machin truc là, Warfare ou je sais plus quoi. Voilà, je change juste après. Ah, je suis très grave, toi, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas énormément joué. Pas parce que j'ai pas aimé, mais c'est parce que en fait, quand il est sorti, j'ai joué pendant un mois. Après, j'ai pas pu jouer pendant 3 mois, et quand je suis revenu sur la web, il y a déjà plus de mes amis qui jouaient. Alors c'est normal que je les vends, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ah, en même temps, pendant que quelqu'un tourne le stop, je tiens juste à vous préciser que je vais vous dévoiler quelques infos de ma nouveauté que j'ai parlé dans la série les 4 jours non-stop Gears of War. Vous savez, la grosse nouveauté pour la fin d'année, que j'ai annoncé aussi sur mes réseaux sociaux, que ça va arriver entre le 28 et le 29 août, si je dis pas de conneries. Donc on va voilà, j'ai aussi annoncé sur Twitter pour ceux qui me suivent, hein, je vais vous le redire en même temps avant que ça commence. Je profite, hein, c'est le but aussi. Voilà. Attendez, que je retrouve. Hop, 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 hop. Voilà. J'avais dit sur mon Twitter, bientôt une très grande nouveauté sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai parlé de YouTube, j'ai mis hashtag YouTube, hashtag gaming. Ça c'est logique. Mais j'ai mis quelques infos si vous n'avez pas vu. Hashtag info, hashtag classement, hashtag jeux vidéo, hashtag geek, hashtag humour et hashtag délire. Donc c'est quelques infos que je vous donne. Voilà, je vais vous dévoiler petit à petit tout le mois d'août la vidéo jusqu'au
28 et Ok, c'est parti précisément, pour un on tour va d'adrénaline. avoir Et je vais te souhaiter bonne chance. jusqu'au 28, on va avoir des infos. Voilà. Donc première info ici, ben pour vous dire, c'est que c'est bon. Je sais pas comment vous l'annoncer, sans trop dévoiler, forcément. Enfin, ça fait longtemps que je pas fait un match. Donc ça va pas être du gameplay. Donc déjà, ça, voilà. Ça va être un nouveau style de truc de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Ça existe. Ça Je existe. contrôle le bateau. Sans donner les noms des youtubeurs qu'ils font. Mais ça n'existe pas dans le domaine YouTube gaming, je veux dire. Ou quoique des youtubeurs en ont fait une ou deux, mais pas plus. Youtubeurs concernés. Là, on cherche des youtubeurs concernés. Donc voilà. J'ai vu. Allez! Ah putain! Donc sans trop dévoiler, oui voilà, j'avais annoncé, voilà. Donc pourquoi du délire? Parce que ça va être fun, ça va être drôle, on va bien s'amuser, voilà, c'est vraiment. Pourquoi geek? Ben tout simplement, ça s'adresse vraiment aux passionnés du jeu vidéo et du monde de la culture du jeu vidéo et aussi du monde high-tech. Ça, voilà, la nouvelle technologie. Franchement, voilà. Si vous aimez par exemple la chaîne Technique de Test, vous allez kiffer les vidéos que je vais faire. Attention, c'est pas ce style de vidéo-là que je vais faire, mais si vous kiffez regarder ça, vous allez aimer. Donc voilà, c'est vraiment une grande nouveauté. Je compte faire une vidéo par mois tellement que ça va être long à produire et à voir les infos parce que voilà, faut chercher les infos. Alors pour ceux qui trouvent, voilà, on va faire comme ça, ouais. Pour ceux qui trouvent ce que je vais vraiment faire ou qui donnent des chaînes de YouTube similaires, je vous laisserai. Ça prouverait qu'il me suit. Et si c'est la bonne réponse, je pense que je lui offrirai quelque chose. Quoi, je sais pas encore, mais je pense que je ferai quelque chose. Pas fan de la map, mais bon. Donc voilà, ouais. Alors, voilà, je vais vous dévoiler de temps en temps quelques infos. Pas tous les jours, mais tout le mois d'août en tout cas, sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, mais aussi, voilà. Moi, je peux juste vous dire, c'est que si vous aimez le jeu vidéo, vous allez kiffer. Alors, la première vidéo, non, ça, je peux pas vous le dévoiler. J'ai déjà le thème de la première, je suis en train de la préparer justement, mais je vous ai dit, c'est très très long à préparer. J'espère en tout cas le montage va vous plaire. Je vais essayer. Mais voilà, la première va arriver le fin août. Entre 28 et 29. Ça se peut que c'est un peu plus tard, mais ça va fin août. Et il en aura une en septembre, une en octobre. Et si ça fonctionne bien, s'il y a de l'audience, on va dire comme ça, s'il y a du monde qui regarde, je passerai à deux vidéos. Et peut-être 3, mais maximum 3 parce que ça c'est très long. Et à côté de mes études et des autres vidéos que je dois faire, plus ma vie, j'aurai pas le temps. Voilà, j'aurai pas mes études encore, je pourrais en faire une par semaine, mais là je peux pas. Là je peux vraiment pas en faire une par semaine. Hein. Ah, ça c'est pas possible. Après, ouais. Pilote ennemi éliminé. Ah. T'es sérieux?
Mais sérieux, le mec est pas mort? Ah! Putain. Bon, voilà. En tout cas, maintenant, revenons sur Titanfall. On va essayer de bien jouer. Oh putain, la grenade que j'ai pas vue. Il joue bien, il joue bien. Ah merde, là, je l'avais tué. Je vais juste changer. On va aller jouer un peu au snipe. Ah, je vous préviens, je suis vraiment une grosse merde à snipe. Putain! A essayé, mais bon. Oh, la tête qui a raté, quoi. Putain, pourquoi sur moi? Bon, le snipe c'est pour mon truc. Hein. Ah, smart gun! Ouais. Il va falloir réagir, c'est plus vite que ça. C'est chaud, hein, mais c'est drôle. Putain, y a pas pris. Ah, je joue mal. Mais j'aime pas trop cette map. C'est terminé, les gars. C'est un peu dur. Vu que je vous parlais un peu aussi. Ouah, je vais pas me trouver d'excuses. Hein. Ouais, je suis une merde. Ça, c'est chiant, par contre, pendant l'épilogue, ça compte pas les kills. Ça compte pas, ouais. Ça, c'est chiant, mais... J'étais au même endroit. J'avais pensé que c'était ce côté-là, mais non. Mais non, mais non. Bonsoir, bonsoir. Bon voilà, j'espère en tout cas la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était les 4 jours non-stop. Première vidéo des 4 jours non-stop de Titanfall. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné assez d'infos sur la nouveauté qui va arriver. Si vous avez aimé, un petit like, mais un vrai moment de jouer. Je vous dis à la prochaine, à bientôt. Et bye bye.